Salut, salut, hop, on va sur la balle. Et Tothrax qui prend la balle. Donc on est aujourd'hui contre. Enfin contre. Les Watch Your Bass contre les Purity. Et on va voir qui va gagner tout ça pour le tournoi Steel Series. On va de nouveau essayer de suivre la balle et de loin pour voir un peu les techniques un peu de chacun de la tech. Oh, le stun qui tue. Oui, encore un peut-être un relais. Non, il va tempo. Ok, il a vu un airgun qui la push. Les Watcher Bass qui reprennent encore la balle, le airgun qui parle, boum, le reset, ça peut enfin partir de l'autre côté chez Purity. Et ils se font avoir, ils sont encore 3, est-ce qu'ils vont pouvoir arriver? Ok, ils doivent être midlife, quelque chose comme ça. De l'autre côté, ils vont être 3, mais pour l'instant ils sont que 2, donc un relais ça peut passer. Ah, c'était bien joué ce CS, ils se sont pas parlé, je pense, Purity, là, parce qu'avec un CS, enfin une basique attaque heavy de la CS, tu sais rarement aller prendre. Aller contre, on va dire, et donc suffit de suivre derrière, et tu as là, t'as un free relais. Ok, là c'est du 1 contre 3, ils attendent que celui qui soit devant tue la balle. Ok, reset, alors qu'il va l'avoir. Alexine, ça tente un front. Ah, Lanchor qui passe pas, dommage. Oups, il se fait push, il y a un gros caillou qui nous emmerde. Yes. Ok, ça reset, je pense qu'il s'est. Non, il s'est pas fait, c'était bien un cool reset. Après, quand il n'y a pas le bloc vert pour Enchor sur la map, c'est plutôt dur, donc il a quand même essayé. J'ai pas trop regardé qui avait Enchor, qui avait quoi, j'ai regardé avant la game, tout le monde était réglo. Ça tire, ça tire. Ouhou! Le airgun qui fait parler de lui, qui va prendre la balle, c'est Drax, qui était d'ailleurs, il était avant. Okay, il peut tempo pour sa team. Ernest qui prend la balle, il court, il court, il court, il est tout seul, il n'a plus qu'à une personne à passer avec une CS ou un. Ok, il n'a pas de CS ni d'arme de corps à corps, il peut rien tenter du coup. Je pense qu'avec une CS en plus, il passait facilement. Oh, le premier TD de la game sans doute. Oui. 1-0 pour. Watch your back. Ok, on est bien. Oups. On revient sur la balle, on regarde qui va la prendre en premier, ça tire au début, normal. Ok, Thorax qui a la balle. Il devrait se cacher derrière les glaçons, ils sont là pour ça. Ok, il y a déjà un mort d'un côté, pas de l'autre. Ok, il l'a eu, il a perdu masse dommage à cause de la dague. Les autres sont 4, mais ils sont très mal mis, tu sais pas faire grand chose dans cette position. Ok, ça prend la balle, ça use un peu des SP, hein. Si tu voulais user des SP, il fallait plus loin, je pense que c'est plus rentable. Il est tout seul, lui, il tente, il devrait peut-être essayer de monter. Ouais, ça c'est bien la cover le. Avec sa PS, il va tacler le défenseur pour laisser passer. Pour essayer de laisser passer son ami, ça n'a pas fonctionné par contre. Donc là on est un peu dans un moment creux, les deux équipes qui ont des morts. Qui savent pas forcément faire grand chose. Les Purity qui sont dans une mauvaise situation pour reprendre la balle. S'ils prennent la balle en défense, ils savent pas vite l'amener. Sauf s'il y a un reset. Et le reset est gardé par Ernest, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi non plus. Ok, donc ils essayent de faire avancer la balle de leur défense jusqu'à l'attaque. Ben, le chemin est long, donc ils se font vite tuer. Ah, Lanchor qui va peut-être passer du coup. Ok, c'est pas passé. Savoir que quand le truc, comme j'ai dit, hein, quand la plaque verte n'est pas activée, c'est difficile à te mettre à l'abri avec ton Lanchor. Donc le mieux c'est tu commences, tu enchors quand il y a la plaque verte pour te mettre en dessous des pics et tu demandes à ta team de casser la plaque verte comme ça on sait pas trop venir défendre sur ta gueule. Oui, Thorax qui est là, qui a réussi, ça va passer, boum, 2-0. Donc lui là il était bien en dessous des pics, du coup on pouvait pas trop lui tirer dessus, et il avait Ernest derrière lui pour couvrir tous ceux qui voulaient tenter de le tuer. Ok, on retourne sur la balle. Une fois, c'est Purity qui court, qui pourra avoir la balle. Il a une dague. Bon, la dague, ça permet de courir et de faire des petits dashs comme ça, mais pas de wall push. C'est moins stable que le handgun, donc on va voir si c'est à quoi celui sert. Oups. Oui. C'était bien full relais. Ils sont attendus d'être bien morts, et puis après, un petit trick tranquille. On ne sait pas trop. Arrêtez ça. Hop, on retourne sur la balle. Ok, chez Purity, ça fait plutôt des beginners assez étranges là sur la brique.
tu peux le faire, mais un 4 contre 4, je vois pas l'intérêt. Plus s'il y en a un du début, chez Walshobaz qui décide de. Ok, Lemon qui oublie la balle mais qui a tué quelqu'un. Là, il devrait courir, ils sont deux, il y en a un qui doit courir. Oui. Un, deux, un petit jump. Là, il doit vraiment avoir une arme de corps à corps. Hein. Ernest qui en a pas, et du coup, pas d'arme de corps à corps, tu passes pas devant le airgun, ça c'est sûr. Attends, est-ce qu'il tente? Voilà, magnifique ça, j'ai expliqué. Donc il a bien en dessous des pics. Sa team qui casse le truc vert, même de loin, ils étaient au spawn, ils ont cassé le machin vert. Du coup, celui qui défendait a eu tout le mal du monde à essayer de le tuer. Il a peut-être raté son enchor, mais derrière, ça conclut. Parce que la stratégie est bonne et donc ça marche. Alors. Hop, de nouveau Purity qui prend la balle. Un petit trick pour pouvoir vite partir en side. Il faut se casser, se cacher derrière les petits glaçons là. Ça peut éviter de perdre des tirs. Oh là, ils ont clairement plus de PV. Ils se sont fait défoncer par les assauts. Enfin, tout le monde a un assaut ici dans. J'utilise les assauts par les armes. Ok, il oublie la balle. Element qui. Ok, oui. Pouf pouf. Pourquoi se montrer aussi vite? Il va tenter un enchor? Non, même pas. Pourquoi il a voulu faire ce trick? Tant que c'est un enchor, les deux autres étaient sur les pics, donc ils savaient pas te défendre immédiatement. Donc, ouais, il aurait pu clairement enchor, l'autre qui casse le truc vert, dès qu'il y a un rouge qui essaye de venir défendre sur le truc vert pour empêcher l'enchor. Ça marche très bien. Ah, un petit instant jump pour partir plus vite. Non, ça marche pas. Ok. Hop, reset. Qui prend la balle? Ok, Purity qui a réussi à prendre la balle. Et il y a un bind, je l'ai pas vu du tout. C'est la première fois qu'on voit. Que je vois en tout cas ce bind sortir. Thorax qui refait la même chose. Ils ont pu défendre cette fois parce que les rouges se sont bien décalés. Et ils ont pas su défendre. Je pense pourtant qu'un bon push aurait suffi à défendre le Thorax qui enchaînerait. Alors, un petit moment mou, tout le monde se rend compte au mid et tout ça. Ok, ça enfin, ça commence à attaquer. Purity qui se met en position dans le side. Ok, il fait démonter. Je comprends pas pourquoi il reste pas. Il y a moyen de rester bien à l'abri derrière ce bloc et d'essayer de tirer là. Pourquoi ils veulent pas? Oups! Et le petit push du Revo qui le fait tomber, ça reset. C'est toujours la balle pour les attaquants. Alors en peine, tenter un front comme ça, il a quand même fait des dégâts. Mais c'est dur, hein. Je veux dire, le front sur les pics, il est resté. Moins une seconde, il a perdu au moins 28 PV, peut-être bien encore une autre paire de 28 PV du coup. Même avec HP 30, ça te met un peu au fond. Ah! Purity qui n'arrive pas à prendre la balle. Ah oui, il l'a bien marine, il a cru qu'il allait courir. Il a tiré Revo pour le push en arrière, pouf, il est passé. Bien joué ce petit brain qui permet d'avoir la mi-temps. C'est 4-1. Voilà, niveau points, c'est quoi? On voit très bien que Watch Your Back envoie du pâté. Eh bien, il y en a un qui a quitté la room. Pourquoi? Il y en a un qui a quitté la room. Il connaît le mot de passe normalement, j'espère qu'il a pas crash. Je sais pas, c'est au team de décider ce qui va se passer. Ce n'est pas à moi. Il a eu un disconnect. Ok, et ça joue. Donc Watch Your Back qui va, il y a sans doute un site. Non, je sais pas. Ici, on les voit pas. Ok, on voit pas les rouges de loin. Donc, je sais pas trop s'il y a un site ou pas. Je suppose qu'il y en a un. Ok, ça marque. 3 contre 3, c'est compliqué de défendre les enchors du coup. Est-ce qu'il y en a un qui sitait? Oui, je suppose que Zyrus est en train de site. Il est sur le. On va regarder s'il y a un site. Il y en a que 3 qui partent. Donc, il y en a bien qui reste. Hop! Donc il y a un site pour un disconnect, bon c'est pas grave, hein, ça arrive dans les 4 ligues. Ok, il est rentré dans la room, le jeu qui a plutôt vite redémarré. Bon, un 3 contre 3 comme j'ai dit c'est plutôt dur, ok la défense qui est plutôt bonne. Hop, voilà, il est revenu, ça repart en 4 contre 4. Watchobas qui avait pris une avance, il y avait la pitié, donc la pitié en 3 contre 3 qui est, je veux pas dire plus forte, mais ça fait clairement plus la différence je trouve. Vu qu'une fois que tu as tué quelqu'un, ben, il reste plus forcément grand monde pour tuer. Ok, le stun qui et le petit coup de Revo qui permet de reset. Ah, ils ont essayé. Reset. Donc il sait très bien que la balle à cet endroit-là elle sert à rien. Tu resets, boum boum, t'as la balle.
Alors, un peu de wall push pour avancer plus vite. Il a essayé de tirer sur le gars qui est en train de défendre le côté. On va appeler. C'est le rush, mais le côté pique, on va appeler ça. Parce qu'il y a des petites piques, c'est drôle, c'est marrant. Kishi. Ok. Ils vont être 3, 3 contre 3. Il faudra attendre que le quatrième arrive. Parce que là, ça va bientôt être du 4 en défense et personne en arrière. Ok, Torax a pris la balle qui tente un stun, reset, boum. Et normalement, il n'y a personne en reset, donc il a peut-être reset un peu beaucoup trop tôt. Ok, un bon coup de CS pour faire comprendre que toi aussi tu veux la balle. Et ça, reset, ça va tenter un enchor, c'est celui à l'enchor qui était à la balle. Il a un peu brain son ami, le gars qui a voulu reset. Ok, ça passe. Il a fait des gestes avec la CS quand il est tombé. Et donc il l'a un peu brain parce que il pensait avoir la balle plutôt Alexis. Ok, le airgun qui part, ça renvoie en arrière. Du coup, ben, s'ils voulaient tenter un rush ou un truc, ils sont obligés d'aller dans le side. Et puis ça tire de partout. Il y en a un au-dessus. On va voir au staff qui était au-dessus là, qui est en train de faire de lourds dégâts à la team adverse, à Purity. Pouf pouf. Beaucoup de morts. Voilà. Ok, il l'a tiré de bien loin. Donc on sent que le gars qui est censé kill tout le monde, c'est censé être War of Stars. Ok, Thorax qui tente de nouveau un enchor bien mis. Et du coup, ils ont de nouveau fait la technique. Il va enchor en dessous des pics. Il enchor, l'enchor passe. Ses potes cassent le machin vert. Il y en a deux qui sont tombés. Ils n'ont pas pu défendre. Et pouf, free TD. Technique de tueur qui marche. Hein. Alors désolé pour les bruits Sky que vous entendez, évidemment ce sont les autres juges et tout qui sont en train de parler pour les autres matchs qui sont en train de se dérouler. Ça tire, il passe devant, pourquoi? Bon, il n'y a que deux blocs qui peuvent bloquer. Ils sont plutôt pressés, c'est pour ça. Wow. La Ivy de la CS qui a parlé là, ça reset. Thorax il tente, il n'avait pas assez d'SP pour pouvoir aller en dessous et en short, du coup il est en short plutôt. Ce qu'il voulait tenter pendant que les autres étaient morts de faire quelque chose. Ça n'a pas forcément réussi. Alors, est-ce qu'il va faire la même chose? Il enchore, oui. Ils n'ont pas cassé le truc vert, on voit bien. Il y en avait un de la team de Warshow parce qu'il était sous le machin vert qui l'a totalement défoncé. Ok, Thorax qui tente la même chose. Ah, on voit bien de nouveau, ils ont détruit. Obligé que quelqu'un se suicide avec un jump CS pour pouvoir faire quelque chose. Ernest qui tempo derrière son petit bloc. Il n'a pas très bien réussi, mais il s'est fait toucher. Masse fois. On remarquera encore une fois que tout le monde joue avec des filles, parce que les filles, c'est trop fort en gun, parce qu'elles sont plus fines que les mecs. Voilà, hop, reset. Alexis, l'enchoir qui a la balle, évidemment, un petit bind, tout tombe par terre, hop, et ça reset de nouveau, ça va partir dans le side. Hop, ça tire. Thorax il prend la balle, il a des SP, il va dans le side, il est un peu obligé avec les SP qu'il y a, et en peine il n'en a pas masse. Ils veulent jamais passer derrière les pics, hein. Je sais pas ce qu'ils ont calculé, ils ont peut-être calculé que c'était pas très court. Ok, ça tire, boum boum. Le airgun qui repousse l'attaque, il reste pas grand-chose de l'attaque, donc il reste la CS. Il a pris des submachines Warstar, il aurait peut-être pas dû, j'aurais plutôt vu avec un semi, vu qu'il reste souvent en arrière pour pouvoir tirer sur les gens. Les subs qui, à mon avis, sont un mauvais pic, je pense. Enfin, ça sert à vite tuer le gars que t'as bind, alors que le semi, évidemment, tu tues pas forcément très vite le gars qui a bind. Chacun son choix. Ernest qui sort le Revo. Ok, c'était un peu le Revo en fin de vie, du genre je vais essayer de mettre des dégâts, mais ça n'a pas trop marché. Du coup, il repart de l'autre côté de la map, il y en a un au-dessus. Voir, il adore cette position War of Stars. Celle du dessus pour pouvoir tirer tout le monde. Ok, ils sont encore deux, il y en a deux devant eux et un au-dessus. Est-ce qu'ils vont savoir faire quelque chose? War of Stars qui revient en mode détresse pour voir ce qu'ils sentaient ses potes en danger. Finalement, non, il n'arrivera à rien. Ok, s'il n'a pas réussi à stun, c'est pas grave, ils vont pouvoir partir en side. Ok, ça essaye de brin derrière les glaçons. Il s'est fait toucher que deux fois, plutôt bien joué. Il s'est plutôt bien servi des glaçons pour pouvoir
arriver. Là, il s'est fait pas fait toucher du tout, je sais pas comment il a fait. Ok, le bind qui sert sur le... Hop, le petit brain. L'autre qui... Il y en a un qui arrive, vient de spawn, il arrive en mode... En mode, il faut faire quelque chose, il faut que je tape un heavy pour push. Bien joué de Element qui attend que le gars push avant de passer. On voit quand même que... Voilà, il y en a qui ne perdent pas leur sang-froid devant le TD, on va dire. Voilà, Thorax qui a pris la balle, il se met de nouveau en dessous, il casse le truc vert. Magnifique, bien joué. Ils n'ont pas su empêcher Zoryux qui a dû se mettre dans une position pourtant difficile pour abattre l'Enchant. Hop, la balle qui tombe. Enfin, Element qui fait parler sa CS au milieu. Voilà, bien joué. Il est à couvert maintenant. Il devrait peut-être attendre sa team, là, sa team est un peu loin, je dirais même que le rouge le plus près. Donc les Purity qui a bien joué ça, ils ont isolé le gars avec la balle et ses alliés n'ont pas pu venir l'aider. Hop, le bind, alors un bind ici, bah t'étais mort, c'est du pain, ça va en short? Oui, non, pourquoi pas. Ok, c'est en short en dessous des pics, mais non. Je sais pas qui était là pour le tuer, Ernest était là pour le tuer. Kishi, boum boum. Ok, ça le tue. Ils sont un petit front, sont 3 contre 2. On essaye de voir. La balle qui se déplace. Element qui décidait que c'était pas forcément une bonne idée de laisser la balle là. Ils tentent un reset. Ils étaient en nombre inférieur au reset. Du coup, ils ont pas pu avoir la balle. Mais bon, là, ils sont un peu tirés comme les mouches. Donc, on voit que le Warchobas préfère tirer sur les gars qui tenteront de relay plutôt que sur. Oh! Le Revo qui sauve un niveau tué TD, la CS aussi. Donc, voilà, c'est bien joué là. Le Revo qui fait moins un gros push. Même chose ici, en short, voilà, on sait pas très bien défendre. Ils ont oublié de cacher le truc vert, mais ils ont préféré tirer sur Zyrus, je suppose, pour le faire paniquer et pour lui faire tirer un peu plus à côté. Hop, alors, qui vient, c'est Thorax qui vient chercher la balle sur le côté. Et l'airgun qui parle, il va y avoir un free reset. Ok, le reset pour l'enchor. Ok, je pense que... Ok, l'enchor qui était vraiment, vraiment mal fait. Déjà parce que le machin vert était cassé. Donc il faut essayer de sortir un autre enchor. Quand le machin vert est cassé, je vous conseille d'enchor sur la petite plaque après les pics. Comme ça, vous faites un wall jump après, vous êtes passé. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire, mais il n'a pas voulu. Connaissance pas forcément dingue de la nouvelle carte chez Purity. Je pense qu'ils sont pas assez trines dessus, ils n'ont pas examiné les tactiques qu'il fallait employer. Ok, la CS qui va prendre la balle, c'est toi. S'il a réussi à shipper la balle à travers, à côté de tous les rouges. Ok, le reset, pourquoi? On sait pas trop pourquoi, il était quasi dans le side, et là il fait un reset... à Element, oui, mais ils se font avoir. Ok, ils ont cassé le truc vert. Du coup, ils répliquent en cassant la brique sur laquelle Ernest se trouvait. Ok, très bon jump là qui permet le TD. Donc, voilà, tout pour le tout, il passe par les pics. Alors, qui va arriver en premier? Oups. Tout pour le tout pour essayer d'avoir 2 points. Thorax qui prend la balle, oui, non, ok, c'est juste de la tempo. Ok, ils ont gagné 4 à 7. Voilà, on va regarder les points comme ça vous les verrez aussi. Pouf, 4-4, il n'y a rien à dire, c'est clairement une victoire pour les Watch Your Back. Hein.